Hey, salut les enfants, c'est Magic HP. bah écoutez, aujourd'hui, comme prévu, on va repartir là sur du Final Fantasy VII, il y avait longtemps. Tout modé, évidemment. Là en fait, là ces derniers temps, il y a eu plein de nouveaux modes qui sont sortis, enfin plein de vieux modes qui ont été mis à jour, plein de nouveaux qui sont ressortis, des améliorations, des trucs comme ça. Et ouais, enfin voilà, ça fait 25 ans que le jeu est sorti. Il y a toujours des mecs qui bossent dessus et qui font des trucs de ouf. Bref. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que franchement, moi ça m'a mis sur le cul. Et c'est pas fini. Voilà, là ce que je vais vous montrer, là, c'est entièrement jouable de A à Z. Jusqu'à la fin du jeu, il n'y a pas de souci. Et il y a d'autres modes. Complètement ouf, là il y a un mode qui est en préparation depuis 5 ou 6 ans, je crois, qui consiste à redoubler, enfin à doubler en fait, toutes les voix, tous les dialogues de tous les personnages du jeu à l'audio, oui. Bon, évidemment, ce sera en anglais, il y a des chances qu'il faille mettre le jeu entièrement en anglais pour ça. Bref, de toute façon, c'est pas encore sorti, il y en a... ça devrait sortir d'ici quelques mois, probablement avant la fin de l'année, on verra. Bon, bref, j'arrête mon speech. On va tout de suite lancer ça, vous allez voir, c'est assez ouf. Et en plus, c'est tout simple à faire. Ils ont vraiment simplifié les trucs, quoi, c'est... Ça fait plaisir. Alors, les menus sont en anglais. Tous les dialogues sont en français. Par contre, effectivement, j'ai pas trouvé de moyen là de mettre les menus en anglais, en français aussi. Bon, ça va, hein, les menus, on s'en sort. Bon, je vous laisse. Rien que l'intro est magnifique, quoi, maintenant. Bon alors, c'est-il pas magnifique? Donc voilà, des cinématiques en 30 images secondes, évidemment upscale et compagnie, un jeu en 60 images secondes, en vrai 60 images secondes, bordel. Bon, les modèles, hein, je vous en parle pas, ils sont magnifiques. Et ils clignent des yeux et tout. La musique, elle est refaite aussi, mais ça vous allez le voir sur le chemin. Les menus, enfin. Bordel. Qu'est-ce que c'est classe?
Les combats aussi sont en 60 FPS. Il y a des voix qui ont été rajoutées pour les attaques. Bah. Hop, tant que j'y pense. Hop, augmenter la vitesse des combats, réduire un peu la vitesse des textes. Ouais, si on va le laisser en initial. Ok, tout est bon. Les ombres portées des persos aussi, quoi. Enfin, sérieux. Petit bug que j'ai pas réussi à régler non plus. Le réacteur Mako numéro 1 avec l'icône des manettes, alors que j'arrive pas à afficher l'icône des manettes dans les textes là où je veux. Bref. Petit détail, c'est pas encore 100% parfait, mais. Mais bordel! Oui, je peux aussi bouger la caméra pendant les combats comme je veux. Ah. C'est des petits détails, mais voilà quoi, c'est cool. Bien sûr, tous les effets des magies et compagnie ont été refaits aussi. Ah, peut-être que j'en balance 2-3 pour vous montrer, hein, ça serait peut-être mieux. Oui, je me suis fait plaisir aussi sur les musiques, oui. J'avoue, la BO métal, j'étais pas sûr. Bon, allez, c'est fun quoi. Il était très joli ce coffre aussi. Bien sûr, là, dans le mode musique, hein, y a plein d'autres choix. Y a aussi simplement les musiques originales, simplement réenregistrées. Mais voilà, là, je voulais qu'on se marre un peu. Hein. J'ai vu qu'il y avait des versions métal, j'ai pris.
Ouais, normalement les musiques des combats et les musiques de victoire devraient tourner. Ça devrait pas être les mêmes à chaque fois. Mais j'ai mis que les versions métal, je vous avoue, pour les musiques des combats. Pas pour les musiques de victoire, mais bon. Ah oui, les bruits de pas aussi, tiens. Bon, là, on les entend peut-être pas top avec la musique, mais... Ouais, c'est vrai qu'il y a des changements de musique qui sont un peu brusques quand même. Ah bon, je vous dis, là le coup de la musique, je l'ai plus fait en version fun qu'en version bien authentique pour faire le jeu bien dans l'esprit où il faut. Oui, avec au passage, tiens, notons le garde scorpion. Bon, le modèle a été tout refait, les textures et compagnie. Bref, la classe. Pas de problème, arrête, je t'écouterai plus tard. Non, mais c'était simplement une technique pour faire monter mes limites, évidemment. La musique change bien à chaque fois. C'est cool. Très bizarre celle-là, mais...
Donc oui, aussi, comme vous l'avez entendu, il y a tous les sons ont été plus ou moins modifiés, sauf les sons du menu. Hein. J'ai voulu les laisser à l'original quand même. Mais du coup, oui, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, tous les sons ont été refaits. Et c'est cool, voilà, on va s'en tenir là pour le moment. Je retrouverai ce que je voulais dire plus tard. M'excuserai, mais une fois qu'on sera sorti de là, je vais faire une toute petite pause, que je crois que j'ai un problème de chat. Ah non, c'est bon, t'es revenu de ta connerie, toi. J'ai les petits minous, très mignons, mais très relous. Ça y est, je sais ce que je voulais dire. Oui, donc avec tous les sons qui ont été refaits, il y a aussi des ambiances qui ont été mises sur quasiment toutes les maps, y compris, enfin surtout sur les maps de combat. C'est les petits bruits de machines qu'on entend derrière. Là, on entend un petit ronronnement. Je sais pas si c'est le terme, peut-être grondement plutôt. Mais voilà, mais rien que le 60 fps partout, là ça change tellement de choses, sérieux. Je me permets de rappeler, à l'origine, les combats dans FF7, c'est du 15 images par seconde. Ben c'est de 15 à 60 quand même, quoi. Et le 30 fps pour les cinématiques, ça c'est complètement dingue, quoi, sérieux les gars. Il y a une version à 60 fps des cinématiques, mais elle fait trop lisse, elle fait pas... Enfin, ça colle pas, quoi. Oh, j'ai une petite surprise au niveau des cinématiques. On va voir ça d'ici pas longtemps, normalement. C'est moi où j'ai la voix qui part un peu en cux.
ils ont remis les animations aussi sur les fonds, ça c'est cool. Parce que sur les premières versions des backgrounds upscaled, il y avait forcément ça avait tué les animations parce qu'ils avaient juste upscalé l'image fixe quoi. Cool ces versions métal quand même, non? Salut! Elles sont vraiment cheloues par contre, la musique des victoires, mais. Une partie des mods que je vous montre sont soit sortis, soit ont été mis à jour cette semaine, quoi. Il a 25 ans le jeu, les gars, 25 ans. Cinématique, on va voir si ça marche. Normalement, oui. Ouais, c'est le bon modèle. Ils ont modifié les cinématiques pour inclure les modèles modifiés dedans. C'est des ouf, sérieux, c'est des grands malades. Ah oui, j'utilise aussi la retraduction FR Neo Midgar pour info.
Voilà, ça va être les discussions un peu reloues. Je vais vous laisser 2 minutes, hein, je vais fumer ma clope pendant ce temps-là. Hop, si je retrouve ma caméra dans ma liste, voilà. Hop, à plus tard. Par contre, ça c'est toujours aussi moche. Après c'est vrai que Upscale une image basse résolution qui est juste composée de fils de fer, ouais, ça doit pas être simple. Oui, 30 FPS, tout ça. Excusez-moi.
J'étais pas sûr qu'ils aient fait aussi les gamins. Ils aient refait les modèles des gamins. Alors visiblement, ils ont vraiment refait tous les modèles. C'est trop la classe. Quand même mieux avec la petite ambiance aussi. Là. Une fille te dit ça, tu dis ok. Oui, madame. Comment il a fait pour récupérer sa thune et me la lancer avec sa main droite là? C'est pas grave. Non, j'allais pas changer la musique de dodo quand même, faut pas déconner. Hop, rebonjour. Ouais, non, ça ira, je sais utiliser des matériaux. J'en ai utilisé quelques-unes dans ma vie, oui. Bizarre ce coffre quand même. Non, le reste je m'en fous les gars, je veux juste les 2-3 matériels, avoir une potion ou deux qui traînent.
Non, ça franchement, t'inquiète, je suis au courant. Non, y a rien d'autre? Il me semblait qu'il y avait un deuxième truc. Bon bah cassos, hein. Écoute. Alors. Hop. Et ben voilà, il va nous soigner le petit Barrette. Est-ce que j'achète une matière à feu? C'est bon, j'en trouvais 50.
J'aurais peut-être dû faire une annonce pour les épileptiques, non? Désolé. Alors, dans les modes, excuse-moi, j'ai toujours mis, je mets toujours du temps à voir les commentaires. Hop. Dans les modes, en fait, le mode principal, c'est 7-7, le truc que j'ai mis là dans la description. C'est en fait le gestionnaire de modes. Et c'est aussi, il y a des catalogues de modes, en fait, qui sont contenus dedans. T'as juste à double-cliquer sur ce que tu veux. Et comme je disais un peu plus tôt, t'as d'autres choix au niveau des musiques. Hein. Là, je me suis fait plaisir avec des musiques métal, mais il y a un peu de tout. Là, si je me trompe pas, les personnages, ça doit être Nino Style. Pour les monstres, là, c'est un pack qui est sorti il y a quelques jours. Bon, elle est sympathique, cette petite fanfare de victoire. Et là en plus il n'y a pas tant de modes que ça, enfin je veux dire, je me souviens avoir modé FF7 il y a quelques années, avoir ajouté genre 20 gigas de textures, des modèles, des trucs à droite, à gauche. Là je sais pas, il doit y avoir peut-être une dizaine de modes, bon, ça doit quand même bien peser une dizaine de gigas, mais bon, ça va quoi, ça vaut le coup. Thank you.
Mais ouais, vraiment, hein, si vous voulez avoir la même chose chez vous, c'est tout simple à faire. Là, j'ai creusé un petit peu là, pour trouver quelques modes un peu croustillants, un peu classe, un peu récents, enfin, un peu tout frais, surtout. Mais voilà, quelque chose de quasiment, quasiment identique, c'est très facile à avoir. Shop 7-7, fais quelques clics à droite à gauche, et c'est réglé. Vraiment. Ramasser ici. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait ce jeu. Quelques soucis de descente d'échelle quand même. Non, je sens qu'elles vont faire marrer longtemps ces fanfares de victoire. Normalement, si je me trompe pas, enfin, je la remonterai à la fin du stream, mais vous avez dû voir ma liste de mods au tout début. C'est remix metal aussi, bon, ils vont me faire marrer un petit moment, je crois. Oui, il me faut pas grand chose, oui.
Ils ont vraiment refait tous les modèles, quoi. C'est trop cool. Je sais pas combien de fois que j'ai répété que c'était trop cool, mais... Franchement... Trop fait gaffe. C'est pas grave, tout va bien. Et oui, vous avez peut-être vu l'achievement popé en bas à droite, car ça y est, on peut modder son jeu et quand même avoir une compatibilité Steam, les achievements, probablement les overlays et compagnie, si jamais vous vous en servez. J'ai mis un petit moment à me faire au nouveau son là quand même, là. Surtout le bruit de leur laser hein, à ce type là. Et finalement, ça colle bien avec tout le reste. Cette version de Jazzy, je m'y attendais pas franchement. Que je vais y arriver du premier coup. Ouais, vas-y là. Est-ce que je vais y arriver tout court? Vache. Ah là.
voir à quoi ressemble l'aérobuster, si je me souviens bien. Ah, tiens, on va profiter pour vérifier un point sur l'histoire du jeu. Parce qu'en théorie, enfin, on va voir ce que dans ce qu'on dit là, cette traduction. Et normalement, là, le président Shinra, il est tout à fait au courant qu'on a posé la bombe. Il est pépère. Il s'en fout de perdre son réacteur, techniquement. Mais il y a plein de gens voilà, sur les forums de théorie qui sont pas du tout d'accord avec ça. Si si les gars, si si. Il semblait qu'on avait quelques infos dans ce dialogue là. Là, c'est clair, il est au courant et il s'en cogne de perdre son réacteur, c'était même prévu. Est-ce que ça faisait pas de sens que le type sorte tranquillou du réacteur, prenne son hélico pour se tirer? Oui, non. Ah, vous avez posé une bombe? Ah merde, vous avez pu me prévenir les gars. Ah mon dieu, c'est un énorme aspirateur. Ouais, en même temps... Très joli cet aérobuster. La vache.
trop cool d'avoir les bons modèles dans les cinématiques. Oui, c'est encore trop cool, oui. Fait marrer cette proposition. Oh, c'est toi la vieille pochetronne là? Et non? Être franc. Oui, je vais pas mettre Aerith, TH, tout ça. Ça ira bien, hein. Le mec, tout de suite ici, mais moi je dis le petit Cloud, elle titille quand même.
Est-ce que je vais me souvenir des tonneaux là? Enfin, voilà, on a une petite idée de la tranche des ennemis sur lesquels on tape, quoi. C'est un gros progrès, faut pas croire. Allez, c'est bien celui-là. Le prochain, par contre. Ils sont là-bas. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, si. Et du coup, le dernier, ça doit être celui-là. Si mes souvenirs sont bons. Je me demande régulièrement combien de neurones de mon cerveau j'utilise pour me souvenir de trucs pareils. Sans doute beaucoup trop. C'est la seule réponse que j'ai trouvée. C'est toujours pas ça, mais bon, ça on n'y peut pas grand chose. C'est une église Pokémon, voilà. Ou une église TARDIS, hein, suivant vos références. Et du coup, si tu mets une maison de Pokémon dans le TARDIS. Je ne ferai pas la blague sur Iris qui se fait asperger de Mako. En tout cas, pas plus que ça. Ah, mais c'est vrai qu'elle est à l'arrière là.
On sait jamais, ça reste du test avec plein de modes. On n'est pas à l'abri d'un crash. Jusqu'ici, y a rien eu, mais bon. Dans le doute. Mettre à la couverture qu'on va évidemment équiper à Iris. Il y a pas un peu des coups dans la tronche et qu'elle fasse monter ses limites. Je sais, la dernière fois où j'avais testé justement 7-7 et les modes dispo à l'époque, il y a quelques années. Donc, encore y voir le stream d'ailleurs sur mon canal. Mais ouais, il y avait. Enfin, les modèles étaient pas du tout unifiés, t'avais des modèles de différents auteurs. C'était assez vite le bordel. C'était assez bizarre graphiquement, mais ça passait, enfin, c'était déjà. Tellement plus joli que ce qu'on avait à l'époque. Mais là, voilà, là on est sur du. On est sur du rendu quasi pro, quoi. Thank you.
Je suis un peu comme ça dans la vraie vie aussi. Ah, tu m'as ramené chez moi, c'est cool. Ouais, mais du coup, tu vas rentrer toute seule. Bon, bah, je te raccompagne. C'est con. Oui, mais bon. Attends, c'est moi ou il y avait personne à l'arrière là? Mais dommage, la charrette elle-même était jolie. Mais... Ah si, ça doit être le Nebin qu'il faut aller.
ce genre de proposition, mais je lui dis. Je veux dire, ça a déjà marché avec quelqu'un? Normalement, je me souviens encore de toutes les étapes pour avoir la meilleure robe et être choisi. Je vous dis, j'utilise certaines de mes neurones pour des trucs. Certains de mes neurones? Ouais, c'est masculin. Hein. Ça fait longtemps que je ne suis pas cloué à un bar, tiens. C'est pas vrai. Chatoyant. Ensuite. Le coupon de pharmacie. Cette ambiance resto, ça aurait été tellement bien pendant le Covid. Coupon de pharmacie, c'est bon. Hop, le type de matériel, il veut je sais plus quoi. Ah si, ici. Des boissons énergisantes. Enfin, dans l'ancienne traduction.
d'abord la pharmacie. Digestif. Hop là, on va aller faire un gros dodo. Le plus cher. Comment ça tute? Là, si je me souviens bien, on récupère un joli diadème. Un joli diadème. Ok, l'autre boisson protéinée, c'est toujours la même chose, pas de soucis. Le digestif, c'est là. Il nous reste quoi? Il nous reste perruque, maquillage, sous-vêtements. Ah, ce sera après la perruque? Ouais. Une petite sauvegarde dans le Nibin quand même. Y'en a pas une qui va me maquiller là? Peut-être après. Gros doute. Ouais non, c'est pas la chambre du groupe. Des trucs bizarres avec des baignoires et des types très musclés dans la chambre du groupe. Non.
Excusez-moi. Cette image, quoi. S'il vous plaît. Voilà. Il a eu la fleur à un guil. Ok, qu'est-ce qui nous manque? La perruque. Changer, annuler, ok, facile. Chaud là? Ah ouais. C'était chaud.
Et c'est bon, là normalement on a coché toutes les cases, on a tout ce qu'il faut. Avec ses petites couettes, c'est tellement mignon. Et bah tu t'es changé dans un très joli modèle, je trouve. Posez pas de questions, madame, tout va bien. Ouais, si on va quand même aller jeter un œil au niveau de l'équipement. Deuxième, histoire de dire. Plantage. Plantage. Bon, c'est très certainement lié au modèle de Tifa qui manquait tout à l'heure. Reste à voir, c'est peut-être moi qui ai mal configuré mes modes, peut-être moi qui ai fait une connerie avec, faut que je vérifie tout. Mais voilà, bon. Vous avez vu ce que je voulais vous montrer, franchement. C'est pas complètement ouf ce qu'ils ont fait au niveau des modes là. Bon, comme je vous dis, il y a toujours faire. Toujours 2-3 trucs à perfectionner, quoi. Bonjour mon chat. Ok, tu me sautes dessus comme ça, bon. Petit minou. Bon, oui. T'as dit bonjour aux gens, petit minou? Non. Oui, non, tu veux juste des câlins. Oh, petit minou. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, oui, il y a bien toujours 2-3 trucs à corriger. Le coup des menus en anglais, j'ai demandé là, aux types qui font la traduction à voir si on pouvait régler le souci. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de réponse. Bon, c'est vrai que la traduction en elle-même est assez vieille. C'est vieille, elle date de 2017, il me semble. Donc bon, voilà. Les mecs qui bossent dessus sont peut-être plus en train de bosser dessus tous les jours, on va dire.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aussi vous allez vous mettre à modder FF7 parce que franchement c'est tout simple. Là il y a oui, là il y a eu un crash, mais je vous dis là c'est moi qui ai essayé de pousser le tout au maximum. Et de faire 2-3 modifs qui sont normalement pas possibles. Alors mon chat, qu'est-ce que t'as? Bon. Visiblement, il y a besoin de gros câlins là en ce moment, donc je vais vous quitter les gars. Je vous retrouve sans doute plus tard. Peut-être pour The Crusader Kings. Parce que bon, j'ai une revanche à prendre. Bah écoutez les gars, merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt et des bisous. Allez, salut les enfants.